J'intervenais aujourd'hui à l'invitation d'Idealista à votre salon Imonex 2018 pour présenter les travers d'une bureaucratie excessive et de lois qui sont contraignantes et antipropriétaires comme nous le ressentons dans notre pays. Il y a eu plusieurs types de lois, la loi de 89 qui a commencé à discriminer les propriétaires et les locataires, et puis également la loi de SRU, la plus récente, la loi Allure, et la prochaine loi qui est en cours de discussion, la loi Elan, qui malgré quelques améliorations, va tout de même dans le bon sens, mais pas obligatoirement, dans le sens d'un équilibre entre les rapports locatifs et d'une meilleure fluidité du marché. L'objectif pour les propriétaires privés, c'est que leurs biens pour lesquels ils ont investi, c'est qu'ils aient un retour sur investissement et qu'ils puissent offrir ce bien de manière décente et de qualité à nos locataires et avoir ces rapports locatifs de bonne tenue, de sincérité et d'équité, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la France, les rapports sont déséquilibrés et c'est systématiquement le propriétaire qui a tort, c'est rarement lui, c'est toujours le locataire qui a raison, et donc c'est une difficulté que nous avons, une particularité française du fait d'une bureaucratie importante et d'une production législative très, très, très excessive.